Un instant pour soi va vous offrir une séance de relaxation, une séance d'hypnose qui va vous permettre de vous focaliser sur une problématique bien précise. La problématique du jour sera le surpoids ou les quelques kilos que nous souhaitons perdre. Vous souhaitez vous sentir mieux dans votre peau? Vous souhaitez arrêter les grignotages ou bien diminuer les quantités de nourriture que vous mangez chaque jour? Cette séance d'hypnose est faite pour vous. Celle-ci va durer entre 15 et 20 minutes en fonction de vos besoins. L'hypnose. Qu'est-ce que l'hypnose? En français, le terme hypnose désigne à la fois des états modifiés de conscience et des techniques permettant de créer cet état, aussi appelées techniques d'induction hypnotique. Lorsqu'un individu est dans un état d'hypnose, ses perceptions sont modifiées par rapport à son état ordinaire. Les caractéristiques de cet état sont variées, notamment perte des repères spatio-temporels, hallucinations, analgésie, anesthésie et encore plein d'autres choses. L'expérience hypnotique d'une personne dépend de sa personnalité, du contexte et de la méthode employée, des suggestions qui lui sont faites, de la profondeur de l'induction hypnotique et énormément d'autres paramètres. Une personne peut également développer une hypnose spontanée ou provoquer soi-même sa propre hypnose. Dans ces cas-là, nous parlons d'auto-hypnose. Cela n'est pas le sujet du jour, mais il est important d'avoir de la connaissance sur le sujet pour se sentir, si besoin est, rassuré. Aujourd'hui, lors de cette séance, vous prendrez uniquement ce qui est bon pour vous. Uniquement les choses, mes phrases, les éléments qui vous semblent nécessaires pour vous sentir mieux et pour pouvoir atteindre vos objectifs. Maintenant, veuillez vous installer confortablement dans un endroit calme, dans un endroit où vous vous sentez particulièrement bien, un endroit où vous n'allez pas être dérangé le temps de cette séance. En position allongée, assise ou même debout. Commencez à votre rythme à inspirer et à expirer profondément. De grandes inspirations et de grandes expirations pour vous détendre intérieurement. Vous pouvez en quelques secondes sentir cet état de relaxation vous envahir. Voilà. Continuez encore et toujours à inspirer et à expirer profondément. Et si vous le souhaitez, à votre rythme, vous pouvez fermer les paupières ou bien les laisser ouvertes en fonction de ce qui vous semble le mieux. Et pendant qu'une partie de vous continue à inspirer et à expirer profondément, une autre partie de vous va commencer à observer ce qui se passe en vous. Observez vos pieds, vos jambes, le dos, le ventre, les épaules, les bras, les mains, la nuque, la tête, le crâne, les muscles du visage,
Observez. Peut-être que vous allez pouvoir ressentir des petits tressaillements, des petits picotements. Peut-être que vous allez ressentir une sensation de chaleur dans la paume de la main, ou bien une sensation de légèreté au niveau du corps. Imaginez que vous passez dans un scanner et que vous observez tout ce qui s'y passe dans le moindre détail. La sensation est particulièrement agréable, une sensation envoûtante. Eh bien, profitez de cet instant. Profitez de chaque seconde qui s'écoule. N'hésitez pas à zoomer et à dézoomer certaines parties de votre corps. Par exemple, de la chaleur de la main droite ou bien un petit picotement dans le pouce de la main gauche. Observez. Analysez. Focalisez toute votre énergie là-dessus. Et pendant qu'une partie de vous continue à passer l'intégralité de votre corps dans un scan, une autre partie de vous va se concentrer sur le son de ma voix et vous laisser guider par celle-ci. Vous pouvez aussi entendre tous les bruits environnant, peut-être la musique, le bruit des oiseaux, ou bien tout autre bruit qui vous fait du bien et vous apporte une sensation de bien-être. Mais avant tout, vous devez garder comme fil conducteur le son de ma voix, qui vous berce à chaque seconde de plus en plus profondément. Voilà. Appréciez l'instant présent. Parfois, dans le quotidien de la vie, nous ne prenons pas le temps de nous écouter. Nous ne prenons pas le temps de regarder ce qui se passe en nous, de ressentir toutes ces choses qui nous bercent et qui nous accompagnent au quotidien. Eh bien là, c'est le moment. Le moment de s'accorder du temps et de se faire confiance. Et continuez encore et toujours à inspirer et à expirer profondément. Nous allons maintenant pouvoir faire un exercice de relaxation, un exercice de visualisation. Visualisez. Visualisez votre corps comme un corps que vous considérez comme parfait. Visualisez-le ou bien vous pouvez aussi projeter cette image sur un miroir. Imaginez un miroir juste devant vous et projetez l'image de votre corps parfait. Ceci et votre objectif. Indiquez à côté de ce corps parfait le nombre de kilos que vous souhaitez perdre ou bien les différents exercices que vous souhaitez pratiquer pour raffermir votre corps. Cela ne dépend que de vos objectifs. Imaginons, vous souhaitez perdre entre 5 et 7 kilos. Dans le miroir, vous projetez votre corps parfait, le corps que vous souhaitez obtenir en, par exemple, 4 semaines. Voilà, et bien détaillez, faites une liste imaginaire ou bien imaginez une feuille et un stylo et écrivez
tous les objectifs précis pour atteindre ce corps parfait. Vous souhaitez perdre entre 5 et 7 kilos? Comment procéder? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif? Par semaine, combien de kilos souhaitez-vous perdre? Un exemple, je veux perdre 7 kilos. Avec un objectif d'un kilo par semaine, comment vais-je procéder? Eh bien, je décide d'augmenter ma volonté d'arrêter les grignotages. Et oui, j'ai conscience que quasiment tous les jours, vers 16h, 16h30, je grignote. Eh bien, ma volonté prend le pas là-dessus. Car je suis une personne forte, sereine, et je développe ma confiance en moi. Je sais que je suis capable d'atteindre mon objectif. Et je visualise tout ce qui peut me permettre d'atteindre avec précision cet objectif. Peut-être que deux fois par semaine, j'irai faire des footings, ou bien faire de la randonnée, aller à la piscine. Peut-être qu'à la place de manger des pâtes, je vais manger des haricots. Voilà. Fixez-vous avec précision ces objectifs pour atteindre l'objectif final. Et continuez encore et toujours à observer votre corps parfait que vous trouvez particulièrement inspirant. Cela vous motive, vous galvanise, cela vous inspire et vous donne envie de devenir la meilleure version de vous-même. Car quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et quand on est bien dans sa tête, on est bien dans son corps. Voilà. Et maintenant, imaginez pendant quelques secondes que votre corps parfait et vous ne faites plus qu'un. Voilà, regardez ce qui se passe. Observez, appréciez le moment. Vous pouvez vous toucher, vous pouvez vous déplacer sereinement. Voilà. Vous ressentez peut-être une sensation de bien-être qui envahit l'intégralité de votre corps. Eh bien, rappelez-vous de cet état émotionnel particulièrement agréable. Lorsque vous aurez des petits coups de mou dans les jours, dans les semaines à venir, n'hésitez pas à vous replonger dans cet état émotionnel de bien-être, de sérénité, de joie, de bonheur. Voilà. Parfait. Et maintenant, à votre rythme, vous pourrez revenir dans un état de conscience, uniquement